Ça file. Voilà, excusez-moi, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez été gâtés vous aussi par les cloches de Pâques, que vous avez bien mangé du chocolat. Et aujourd'hui, on va essayer d'éliminer tout ça et de renforcer un peu les jambes. Donc, pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vos protections et vos rollers, une tenue de sport complète avec des chaussures de sport, ça va être important aujourd'hui. Et pour le défi, il y aura besoin d'un rouleau de PQ, mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, on va faire un petit échauffement, donc comme la dernière fois, articulaire, du bas vers le haut. Ensuite, on fera un échauffement un peu plus intensif, comme on avait fait la dernière fois. Après, il y aura deux exercices pour les jambes, donc cuisses et mollets. Et enfin, on finira par le fameux défi du jour. J'espère que vous êtes prêts. On commence de suite avec l'échauffement articulaire. Allez, c'est parti! Ok, maintenant que nos articulations sont prêtes, on va faire monter un peu en puissance le cœur et les muscles. On va commencer par les jumping jacks. Donc, on les a fait la dernière fois. Hop, on ouvre, on ferme. On va en faire 15. Ensuite, on fera 15 secondes montée de genoux et 15 secondes talon-fesse. Donc, pour talon-fesse, on reste bien droit. On se penche pas en avant. Allez, c'est parti, on commence par les jumping jacks. Hop. Et 15, montée de genoux. Hop. 15 et talons-fesses. Et 15. Ouh. Ok, donc vous allez boire un petit coup et on se retrouve pour le premier exercice. Ok, alors premier exercice, on va faire les cuisses. D'accord? Donc on va enchaîner deux exercices. Donc on va faire de la chaise. Pour ça, il vous faut un mur. Vous allez vous caler contre le mur, comme si vous étiez assis sur une chaise, et on bouge plus. Ok, ça, 10 secondes. Le dos bien à plat contre le mur. Si c'est trop dur, si c'est trop facile, vous baissez. Si c'est trop dur, vous remontez un petit peu. L'important, c'est d'avoir le dos bien à plat, les genoux au-dessus des pieds. Si vous avez les pieds en avant, vous allez glisser. Ok, donc ça c'est le premier exercice. On va faire 10 secondes et ensuite on va enchaîner squat. Donc les squats c'est des flexions. On a l'habitude d'en faire en roller, là on va les faire en basket. Donc il faut garder le dos bien droit, les pieds largeur à peu près des épaules. Ok, les pointes bien dans l'axe. Les genoux ne doivent pas trop dépasser les pointes de pied. Donc un petit peu, ils doivent être sur l'aplomb, d'accord? Je ne vais pas vous voir descendre comme ça. On ne décolle pas les talons et on ne décolle pas les pointes non plus. D'accord? Le dos bien droit, donc. Un. Comme ça. Et quand on remonte, on ne tend pas les jambes complètement. On les laisse un petit peu fléchis. Deux. Un remonte. Trois. Ok? On va enchaîner 10 comme ça. Ok? Donc on va faire 10 secondes de chaise, 10 squats, 10 secondes de récup. On recommence. On fait ça 3 fois. C'est bon? Allez, position chaise, c'est parti. 1, 2, 3. Pour la dernière série, on peut prendre un roller. Pour les squats, ça fera plus de poids. 1. 7. Toujours le dos bien droit. 8. Les épaules fières. 9. Et 10. Ok. Donc là, on a fait les cuisses. On va boire un coup et on revient pour faire les mollets. Alors, pour les mollets, on va partir sur le même principe. En 10 secondes de statique et ensuite 10 répétitions. Cette fois-ci, toujours les pieds à largeur d'épaule,
le dos bien droit. On va monter sur les pointes et rester 10 secondes en haut. Ok, 10 secondes. Et ensuite, on va redescendre et faire 10 répétitions de monter, descendre. 1, 2. Ok. On ne touche pas les talons au sol. Là, peut-être que vous ne voyez pas bien sur la vidéo, mais ils sont un peu décollés les talons, d'accord. On ne les pose pas complètement comme ça. On reste toujours avec une petite tension sur les mollets. Pareil, 10-10. 10 secondes de récup et 3 séries. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on monte, on reste en haut. 1, 2. Allez, dernière série, vous pouvez faire avec du poids, donc avec le roller dans les mains, c'est parti. 1. Et 10. Ok, normalement ça commence à chauffer dans les mollets. C'est bon signe, vous pouvez aller boire un coup. Je mets en place la suite, ça va être un petit jeu qui va allier et le travail qu'on a fait sur les cuisses et le travail sur les mollets. Et ensuite, il y aura le défi. Alors, très bien, maintenant que vous avez bu, vous allez prendre vos protections, vous allez disposer en carré, comme j'ai fait là. Ok, donc vous prenez casque, genou, coude, poignet, que vous les mettez là. Encore une fois, si vous n'avez pas vos protections chez vous, il n'y a pas de souci, vous prenez autre chose, vous prenez des rouleaux de PQ, vous prenez des paires de chaussures, des paires de chaussettes, des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve. Donc, ce que vous voulez, vous faites un carré, ok? Le principe, ça va être, on va faire toujours le même trajet. En haut, en bas, à gauche, à droite. Vous avez reconnu? Donc, quand on va sauter au-dessus d'un objet, on va descendre, donc on saute, et on fait squat, comme tout à l'heure. Ok? On saute, squat. On revient au milieu. Quand on revient au milieu, on fait monter sur les pointes, on redescend. Ok? Donc, squat, montée pointe, je redescends. Sauf que je vais enchaîner. Une fois que j'ai fait montée pointe, je pose les talons, hop, et je repars direct en bas. Squat, milieu, montée pointe. Ok, on va faire deux tours. Ok, allez, on lâche pas. En haut, squat, milieu, pointe. En bas, squat, milieu, pointe. C'est bon pour vous? Allez, on est parti. En haut, squat, milieu, pointe. En bas, squat, milieu, pointe. Ok, joli. Et maintenant, on va passer au défi. On est parti. Alors, pour le défi, vous allez devoir vous équiper. Donc, protection et roller au pied. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas vos rollers, vous pouvez le faire en basket. Allez, on y retourne. Ok? Avec l'accord de papa et maman, bien entendu. Allez, c'est parti, on s'équipe et essayez de faire plus vite que ça. Alors, allez-y ou pas? Donc, on va débarrasser un peu tout ça, on va avoir besoin d'un peu de place. Hop! Et on va avoir besoin du rouleau de papier toilette. Et oui, le fameux, on en attend à la maison. Ou alors on n'en a plus parce que c'est la pénurie. Je ne sais pas dans quel camp vous vous trouvez. On va faire ce qu'on appelle des fentes. Donc pour l'instant, le papier de toilette, on va le laisser par terre. J'ai un espace qui est libre, d'accord? Pas de table, pas de trucs qui pourraient m'encombrer ou que je pourrais faire tomber, de fleurs ou quoi. On fait un espace libre. Vous avez dû apprendre à freiner sur la protection genou, la position, fameuse position du chevalier servant. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas forcément, ça veut dire qu'on va descendre, le dos bien droit, ok, le regard loin devant, on va descendre, poser le genou, hop, et on remonte. Et on change de jambe, très important, deuxième jambe, hop, et on remonte, ok, une jambe, et l'autre jambe. Tac. Jusque là c'est facile. Normalement la plupart d'entre vous savent le faire. Mais le D,
défi va être d'arriver à faire le maximum de répétitions avec le rouleau de papier toilette sur la tête. Ok ? Donc on place bien droit sur le casque et on y va. Ah ben ça commence bien. Voilà, ça fera 7 pour moi. J'espère que vous allez faire mieux quand même. Parce que là, c'est pas ouf. En attendant, restez chez vous. Prenez soin de vous. Finissez bien vos chocolats de Pâques. Moi, j'y vais. Je vais l'attaquer de suite. Et surtout, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Ciao, ciao!